Alors, on va commencer avec ce petit colibri bleu, la Bluebird Fuzz. On l'écoute. Pas beaucoup de surprises, hein, c'est une super bonne fuzz, pas de Ouais, réglage. voilà, non, c'est assez muddy comme son, et en même temps c'est confortable au niveau du jeu, quoi. On n'est pas gêné par voilà, par des coupures de son, des choses comme ça. C'est vraiment assez limpide. En plus, elle prend pas de place sur le pedalboard, Ça, c'est l'avantage. ce qui est un gros avantage. Comme fuzz principal, ça peut faire l'affaire si on joue vraiment du classique rock à la Hendrix, comme ça, si on veut plus de réglage, c'est peut-être pas la pédale idéale, ou Oui, deux. voilà. Après, voilà, c'est à la fois la pédale du gars qui ne veut qu'un son, et puis c'est la pédale de la personne qui veut aussi un son fuzz en option, voilà, sans s'en servir tous les jours, ça prend pas de place, c'est bien. Voilà, après, ça reste une pédale qui est quand même typée, mais voilà, De bonne c'est. facture en tout cas. Voilà. Ouais. What the fuzz? Elle est super intéressante cette pédale, je trouve. Elle est super belle déjà. Ouais, en plus, ça Déjà, gâche rien. ouais. Alors c'est bien aussi d'avoir des beaux objets. L'apparence formica, hein, qui rappelle un peu le vieux camping-car de nos parents Ça dans doit les être ça. Ouais, ça doit être ça. 70s. Non, elle est assez intéressante parce que à la fois on se dit bon sang, c'est une usine à gaz, et puis finalement l'usage elle est assez limpide. C'est-à-dire qu'on a vraiment le potentiomètre de volume, le potentiomètre de gain. Ça jusque-là c'est assez clair. On a ce petit switch qui est assez intéressant parce qu'il change un petit peu quand même le grain. Clairement. Voilà, hein, ça permet de donner vraiment du caractère à la pédale. Et puis on a ici le potentiomètre What the Fuzz. L'arme secrète de cette pédale, c'est quand même ce potard, on va dire, hein, qui permet vraiment d'accéder à des sonorités très chaotiques Ouais, en bout de course. Hein. c'est la combinaison de ça et du fait qu'elle a quand même un son de base qui est juste parfait. C'est Voilà. clair, on Et est puis, d'accord. dernière particularité, le boost qui permet. Bah, voilà. Oui. C'est pas flagrant à l'oreille, par contre quand on joue, voilà, le boost permet vraiment de rentrer plus dans les transistors, de garder un petit peu de réserve de gain, puis voilà, d'être moins enquiquiné quand on veut faire durer la note. Voilà, souvent sur les fuzz, le problème c'est quand on veut faire durer la note, ben, ça a tendance à couper, et puis là le boost permet de garder, donc en solo, on ne changera pas vraiment le son, Ça donne du sustain un petit peu, mais quoi. voilà, Ouais. on gagne en sustain, en confort de jeu aussi. Super. On continue avec la Iron Bell de Mojo and FX. On y va. Ok. Classique, facile à jouer, voilà, pareil, pas mal de personnalités. Avec une belle sérigraphie encore avec les chiffres romains là, sur le volume, c'est chouette. Ça c'est bien, c'est joli, voilà, on a quand même un peu plus de contrôle qu'une phase classique, c'est-à-dire qu'on a à la fois le gain, le volume, et puis là on a deux potentiomètres, tone et puis color, donc bon, voilà, Quand tu baisses le volume de la guitare, qu'est-ce qui se passe? Ça éclaircit pas vraiment, c'est pas vraiment le principe. Là, on garde une fuzz très très marquée. Par contre, on peut écouter un petit peu les effets des potentiomètres tone et contour. Le
contour est pas vraiment flagrant, je trouve. C'est pas flagrant, ça se sent bien quand on joue. Il y a une petite modification du contenu harmonique. Ça reste assez léger parce que la fuzz en elle-même est, a quand même beaucoup de personnalité. C'est assez intéressant d'aller, d'aller voir les positions extrêmes de, du potentiomètre de tonalité. Voilà, c'est pas des, des filtres super efficaces, mais il change un petit peu le rendu de la fuzz. Donc ça peut permettre d'ajuster des petites choses des fois quand on aimerait un peu plus de mordant ou un peu plus d'espace justement au milieu. Là, ça permet de le faire. En tout cas, c'est une pédale agréable et friendly. Voilà, c'est ça. Super. Mettons notre gant de velours pour la Velvet Fuzz de chez Vampleur. On reste dans un caractère un peu similaire à la précédente. Ouais, ça donnait cette impression-là quand on était, quand on avait le playback derrière. Là, l'usage, elle est peut-être un peu plus pleine, et puis elle est très très agréable à jouer, quoi. Vraiment le côté velours, là, on le sent bien, c'est-à-dire que on a le confort de jeu d'une distorsion, voilà, avec le son d'une fuzz. Mmh. Ça va être un petit peu ça l'idée. On a beaucoup de compression, et puis on a cette couleur qui est très très fuzz, très très fuzz old school, mais quand même avec cette possibilité justement d'avoir avec une seule pédale énormément d'expression et de facilité de jeu. On va essayer de titiller le switch bien tight sûr. Et big pour voir justement, parce que là on est sur tight. Hein. C'est pas mal aussi sur big, ça donne. Oui, ça remplit un peu plus le bas du spectre. Ça donne de la densité, ouais. C'est exactement okay. Ça. Super. Pour finir, on va s'envoler un peu avec la Firefly de chez JHS. On l'écoute. Là, on est vraiment dans la fuzz. Ça fait penser un peu au premier Black Sabbath. Tony Iommi, il avait un petit peu ce genre de grand fuzz sur Paranoid, par exemple. Ouais, et c'est facile à jouer aussi, c'est l'avantage quand même. C'est-à-dire qu'on a vraiment une belle compression. Sûr que pour des choses très rythmiques, un peu plus. On est peut-être moins dans l'esprit, mais là, quand on est vraiment. On cherche un gros son, quelque chose qui va passer à travers le mix aussi. Mmh. Soit tout seul quand on a un power trio, soit quand on a un autre guitariste dans le groupe, justement pour avoir deux grains complètement différents. Là, c'est fabuleux ce genre de pédale-là. On va jouer un peu avec le réglage de bias pour voir. Ça marche. Ouais, très très bonne pédale, très simple dans le design. Peut-être un petit peu sage au niveau de la déco, mais vraiment le son est. Le petit avion est quand même très mignon. Oui, c'est mignon. Voilà, c'est ça. C'est mignon. C'est ce que je voulais dire. C'est mignon. Ok.